Bonjour à toutes et à tous pour ma troisième vidéo. C'est sur un genre de GTA que j'ai installé sur mon téléphone. On va voir ce que ça va donner. Je vais prendre une voiture déjà. Donc on va juste faire signer un conducteur. Je veux pas avoir les policiers. Par contre, ils sont cons ces conducteurs parce que franchement, pour rouler, on va sprinter, hein. Donc voilà, on est en recherche de voiture sur un parking. Bah voilà, ils se sont encore foncés dedans, hein. Franchement, on se demande pourquoi ils se foncent dedans. Sprint, on esquive, on tourne. Non, c'est moi qui passe devant toi. Ah bah tiens, une voiture! Même si elle est pas très belle, ça va nous aider à chercher une autre voiture. Ah bah tiens, on peut conduire même quand on n'est pas dans la voiture. Donc ça, c'est très très intéressant. Ah bah tiens, une belle belle voiture. Très très belle même. Du coup, on va s'arrêter la prendre. Donc, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est simple, c'est montrer qu'est-ce qu'il faut faire, les qualités du jeu, si quelqu'un un jour l'a. Et si vous voulez savoir le nom du jeu, c'est non, c'est Vegas Crime Simulator, je crois. Hein. Donc, si vous savez le jeu, vous voulez le jeu, vous savez le nom maintenant. Et voilà, on va continuer. Je tiens aussi à signaler que je ne suis pas tout seul pour filmer. Et c'est ma sœur qui filme, Laura, bien masculine. Donc, Laura, tu peux nous dire deux, trois mots. Salut. Je tiens à signaler aussi dans votre voiture, si elle est trop abîmée, à un moment donné, elle va faire de la fumée comme ça, mais plus forte et plus noire. Et du coup, à un moment donné, vous allez voir des flammes. Il faut tout de suite que vous sortez, sinon elle va exploser. Dès que vous voyez des flammes, vous sortez parce qu'elle explose. Donc oui, on peut y aller dans l'eau, mais pas très très loin. Même avec la voiture, on peut y aller, je crois. Je crois qu'on peut y aller avec la voiture. Hein. Oui, voilà, on peut y aller dans la voiture, je pense. Mais on va quand même faire un petit test au cas où. Vous voyez, la fumée elle est de plus en plus noire et de plus en plus forte. Oui, on peut y aller avec la voiture dans l'eau, exactement. C'est super. Ah, je ne peux plus conduire. Qu'est-ce qui se passe? Bon, bah, je vais sortir. Hein. Par contre, je vous signale, voilà, à partir d'un moment, vous allez mourir dans l'eau. C'est un signalement. C'était juste pour moi. Donc j'ai arrêté la pub parce que j'ai arrêté la vidéo parce qu'il y avait une pub. Alors du coup, ça m'a fait du long. Donc ça, je n'en ai pas besoin pour l'instant. J'ai quand même de l'argent. Donc on va faire quelques petits crimes quand même. Hein. C'est quand même Crime Simulator. Eh vieux, ouais. Oh purée, il est une arbalète. Oh salut les gens! Je prends l'ambulance avec moi. Vite, 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 vite. Il a une hache, il a une hache. C'est un fou ce gars, hein. C'est un fou, hein. J'arrive à peine le gars avec sa batte de baseball, il vient me buter. Donc, on va voir, on va continuer. Hein. Donc, pour signaler ceux-là qui doivent se pencher, on ne peut pas filmer autrement. Donc désolé pour ceux-là qui doivent se pencher. Je m'en excuse d'avance pour ceux-là qui doivent se pencher. Donc nous allons voir, nous allons voir, nous allons attendre. Nous allons écraser quelqu'un. On va voir s'il résiste. S'il résiste au choc, il y a vraiment un problème. Là, le camion dans l'ambulance, je suis sûr qu'il va exploser bientôt. Il y a évidemment des vélos des fois, mais c'est dur à en trouver. Au tout début, je crois qu'il y en a. Regardez, on va écraser quelqu'un. Oh là là, on s'est loupé, on s'est loupé. Demi-tour, demi-tour avant qu'on soit coincé.
Donc nous allons écraser cette personne et cette vidéo sera terminée malheureusement. Et n'oublie pas qu'il faudra laisser un pouce bleu après cette vidéo. Et dès que... Bah voilà quoi. Et de vous abonner, merci et au revoir.